Bonjour tout le monde, 1er avril, J-57 avant l'Ironman. Donc petite vidéo pour vous présenter l'équipement du club que j'ai reçu. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc le magnifique t-shirt pour le vélo. Voilà. Tac. Avec les petites poches à l'arrière. Il y en a trois, le portable. Et puis après un peu de nourriture et tout, donc je l'ai testé super bien. La trifonction, avec au niveau des cuisses une espèce d'élastique, enfin c'est une matière un peu bizarre mais c'est vachement bien, ça maintient bien sur la cuisse. Elle est assez classe, très confortable. Et pareil sur l'arrière, on a deux poches, vu que c'est une trifonction longue distance, et avec une peau de chamois un petit peu plus rembourré que sur les autres trifonctions. Donc parfait. Et la veste de vélo, pareil, avec trois poches, donc on peut tout mettre, c'est nickel. Et voilà, donc enfin on va pouvoir rouler et courir avec les couleurs du club. Donc voilà, donc on a vu les tenues, c'était elles sont vachement jolies, moi je suis assez content. Le week-end dernier, c'était le 26-27, donc c'était le stage du club. Donc j'ai pas pu y aller pour raison personnelle, mais apparemment ils sont bien marrés. On peut voir quelques petites photos que je fais défiler. Donc j'espère que l'année prochaine je pourrai y aller. Et dimanche 27, je devais faire la reco à Ourthain avec les organisateurs. Sauf qu'en se levant le matin, il pleuvait gavé. Et que se taper 1h30 de route en voiture pour aller rouler 2h sous la flotte et refaire 1h30 de route pour revenir, c'était un petit peu galère, je n'étais pas motivé. Donc j'y suis pas allé. Et du coup, j'ai couru l'après-midi. Et donc j'ai fait une super sortie, une fois que le soleil s'est levé, de 20 km. Donc en 1h52. Donc ça faisait du 10,7 de moyenne. Donc une bonne sortie longue de course à pied pour me préparer. Donc voilà. Et aujourd'hui, 1er avril. Regardez, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà. Il fait super beau. Et le 1er avril, c'est l'ouverture du bassin olympique de 50 mètres de la piscine de Talence. Donc on va aller faire un beau petit entraînement. Tout le monde, voilà, c'est le 2 avril, c'est le semi-marathon de Saint-Selve. Donc je suis parti récupérer mon petit dossard. Si tu m'entends, monsieur Souris, on a un petit problème, tu vas, où c'est que vous êtes? Au préinscription 10 km, monsieur Souris, t'as le temps, largement le temps. Et les derniers mètres continuent, et on va revenir jusqu'au dernier, finalement, par voie de mérite, parce qu'il souffre des fois beaucoup plus. Voilà, 1876. Après, on a une petite puce électronique pour le temps. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, mais ils m'ont déjà donné la bouteille de vin, un petit château Gros Chêne de Bordeaux, avant même que j'ai fait la course. Donc, ça, c'est un risque à ce qu'on se barre avant. Donc, voilà, on va se changer au soleil, comme vous pouvez le voir. Bon, là, il reste 40 minutes avant le départ, donc je vais attendre un petit peu. Et après, je vais mettre la trifonction, les chaussures, le dossard, la casquette, je pense, parce qu'à mon avis, ça tape dur pendant 1h45, 2h, ça va être chaud. Et puis après, c'est parti. Allez, à tout à l'heure, bise. Bon, voilà tout le monde, c'est bon, je suis préparé. J'ai la petite casquette porte-bonheur de la Saint-Élion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, allez voir sur internet. Il fait super beau, il fait super chaud aussi.
Et c'est une course, hein, un semi pour préparer l'Ironman. Le fil, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le piège de doubler tous ceux qui me doublent ou d'aller trop vite en fait. Je vais essayer de le faire en entre 1h50, à peu près 1h50 je pense, un truc comme ça. Ça devrait être pas mal. Donc voilà, allez, le départ dans 15 minutes, donc je me dirige vers la ligne de départ. Allez, à tout à l'heure, ciao. Et voilà, c'est terminé. 1h44. Allez, à la bise.